La journée de ce lundi a commencé par un regroupement dans la commune de Zé, puis Godomé, Salamé sera la première escale dans Abomey-Calavi. Ici, les populations découvrent les talents d'artistes de leurs candidats. 8 décembre est terminé. Éternel les filles. Éternel d'Awo. Éternel d'Agui. Éternel d'Aklekle. Éternel d'Abomiwa. Suivra l'étape de Godomé-Fignon-Ou où des femmes très enthousiastes semblent montrer leur adhésion à la cause de Cyril Dicuy qui entend bien légiférer autrement. La localité d'Atropokodji a battu le record de la mobilisation pour recevoir le candidat UDBN en ce jour. Kokotomek Bato, avec une grande masse de jeunes, mobilisés par Maître Omer Tiakpe, va aussi voir le futur député de l'UDBN ce soir. Plus que serein, les potentiels votants de Kokokodji, malgré la fraîcheur et la profondeur de la nuit, ont attendu de pied ferme. Et c'est pour prêter oreille attentive à ce candidat qui compte mieux représenter les populations de la 6e circonscription électorale au prochain Parlement. Parti Miton, Nolo, parti de l'avenir. Parti de l'avenir, la marque des Amazones. Ici comme ailleurs, dans les autres communes de la 6e circonscription électorale, le candidat Cyril Yaovi Dicuy, dans un langage clair, avec les dialectes locaux, est bien déterminé à continuer d'expliquer son plan pour son mandat de parlementaire s'il venait à être élu.